Wall Street termine la séance sur une note légèrement positive avec un Dow Jones en progression de 0,33%, le Nasdaq grappille 0,04% et le S&P 500 avance de 0,48%. La bourse de New York a paru hésitante pour cette dernière séance de la semaine. Elle digérait les derniers chiffres officiels de l'emploi américain pour le mois de décembre, des statistiques jugées pas assez bonnes alors que les créations d'emplois sont un peu plus meilleures que prévues à 155 000 contre 150 000 anticipés. Le taux de chômage est ressorti par contre plus faible qu'attendu à 7,8%, mais il est à son niveau le plus bas depuis 4 ans. Peu de surprises sur le front de l'emploi américain en revanche hein, et bonne nouvelle de côté de l'activité dans les services pour le mois de décembre. L'indice ISM américain des services est ressorti à 56 points le mois dernier, ce qui traduit une accélération de l'activité dans les services en fin d'année dernière. Et puis une hausse des marchés qui s'est trouvée également limitée suite au compte-rendu de la réunion monétaire de la Fed hier. Et certains responsables doutent de l'opportunité de nouvelles mesures pour stimuler la croissance, alors que d'autres ont jugé qu'elles se justifiaient jusque fin 2013. Un œil enfin du côté des devises, on voit que l'euro gagne 0,32% à 1,30,81$.